Mario Kart 8! Ha ha! Salut Didi. Bon, désolé d'avoir commenté le stream en retard. J'ai eu un petit empêchement, on va dire. Un petit cas de force majeure. Salut. Déjà, Moumout, c'est qui? Bah, Splatoon 2, je pense que ça sera au moins 22h. Bon, et j'espère que je vais pas me faire déconnecter non plus. Permette. Regardez ce mec. Salut Dexter. Bah oui, moitié Mario Kart, moitié Splatoon. C'est ce que j'ai prévu pour ce soir. Le snipe. Freaking first. Le voilà, c'est le roi. Bah ouais, après moi je pouvais pas commencer le stream du tour. C'était vraiment ma seule option. Et ça fait bizarre de voir des motos, enfin drift vers l'intérieur en off sur ce jeu. Quand tu sais à quel point elles étaient désavantagées sur Mario Kart 8 de base, ça me fera toujours marrer. Bah en fait, je pense pas qu'il va revenir, il a dit qu'il pouvait pas jouer à 22h. Puis bon, plus ça va, plus ma carte peut de capture déconne, donc je sais même pas si je vais pouvoir le... Enfin, si je vais pouvoir tenir au stream. C'est rien que pour la faire démarrer ce soir, ça a été une aventure. Bon, je me suis dit, ça fait un petit moment que j'ai joué, enfin que j'ai pas joué à Mario Kart 8. On va aller faire un petit tour dessus. Ah, la voix va se prendre une bleue malheureusement. C'est à quelle heure Splatoon 2? 22h. Ah, il y a un Waluigi qui rapproche là, juste à côté. Et il a manqué la plaque turbo, on dirait. Ah, le Waluigi qui cut et qui va faire premier, on dirait. Peut-être le snipe? Non. Bonsoir, madame Wolfesh. D'accord, chez Notesh. Un truc qui est marrant, c'est que je suis en train de faire de la lessive. Et ma machine à la fée fait à peu près le même bruit qu'une cafetière. Donc je sais pas trop dans quel état je vais retrouver mes fringues. Ça me fait un peu peur. Après, encore une fois, désolé d'avoir commencé aussi tard, c'est... on va dire un cas un peu exceptionnel. Ah bah tiens, Wolfe qui débarque du premier coup. Une machine à café, ouais, c'est ça. En fait, ça pourrait être le concept du truc. Ça a la forme d'une machine à laver, tu peux mettre tes fringues pour qu'elles soient lavées. Mais en fait, ça fait juste chauffer de l'eau pour faire du café. La machine à café. Oh, salut, Shed. En fait, le concept de la machine à... enfin, de la machine à café, il pourrait exister si, au lieu de mettre du linge dans ta machine à laver, tu fous un filtre avec du café à l'intérieur. Enfin, ça serait un peu comme les sachets de thé, mais avec du café à l'intérieur. Et tu mets ta tasse de café au niveau de... comment on appelle ça? Le tuyau de sortie pour la flotte. Je sais pas s'il y en a qui voient ce qu'il veut dire, mais... arrêtez de me donner. J'ai l'impression que le son du jeu est pas très fort.
soit moi qui soit sourd. Ah voilà. Et le dong a une rouge, le mec devant en a une aussi. Et puis voilà, tiens, on va tenter le cut. Et c'est raté. De toute façon, je sens que ça va être un désastre, Mario Kart, c'est ça. Ah, bordel. Revenez ici. Bon, désolé, Alex, tu seras ma victime. Et Wolfie, tu seras la suivante. Oh, putain. L'étoile était limite frame perfect, là. Le faire de fond, on dirait. C'est le scramblage sur ce circuit, j'arrive pas à le sortir, c'est dingue. Troisième, deuxième même. Et Wolfie approche de façon menaçante. Voyons voir ce qu'il a comme item, toi. On va essayer de garder le chrom pour cut. Je vois des boomerangs qui partent derrière. Ouais, bon, je vais pas lui mettre le klaxon, je vais être gentil avec lui. Bah oui, c'est trop tard, mais en attendant, moi, je peux pas faire autrement. J'aurais pu faire un, mais on va dire que je suis d'humeur généreuse ce soir. Bah oui, t'es troisième, t'aurais pu mettre... Enfin, t'aurais pu même être deuxième si j'avais buté le premier avec mon klaxon. Mais bon, on va être gentil ce soir. Enfin, un peu plus que d'habitude. Ah, parce que nous, le prénom des profs, on les a jamais eu au collège. Il n'était que le nom de famille. C'est à moins que le prof nous dise... Enfin, nous dise quoi, son prénom. T'avais pas le prénom du prof. Cristal, apparemment, est parmi nous. On dirait. À moins qu'il y avait mis un bot pour être au courant que le stream vient de commencer. Ah tiens, Wolfie, tu vas être contente, là. Un petit 200 CC, t'en penses quoi? Par contre, il y a principalement des Japonais ici. Le directeur qui m'appelait ma mère au calme. Ta mère est célibataire? Triple rouge 2, vous vous foutez de moi? Ça commence déjà? Oh, allez, je fais de la merde. Ah bon, allez. Ah là là, qu'est-ce que ça me manque pas, Mario Kart 8. Et je crois que le mec devant, c'est le mec qui a fait farce à la course précédente de Backspam. Allez, petit shock dodge, Roy, avec moi s'il te plaît. Bordel. C'est l'allemand qui va faire first, salaud.
Ouais, en général, gros arc-en-ciel, toute barre de vent, c'est fini. T'as deux profs de maths. En fait, les profs de maths. Moi, j'ai eu les deux extrêmes au cours de ma scolarité. J'ai eu des profs de maths qui étaient super cool, et des profs de maths qui étaient, on va dire, particulièrement chiants. Mention spéciale à ma prof de maths en terminale, franchement, celle-là, je suis bien content de ne plus être. Enfin, à l'école, quoi. Parce que ça veut dire que je n'aurai plus jamais à supporter ces cours. Si jamais vous vous demandez pourquoi je déteste les maths, c'est en grande partie grâce aux profs de maths que j'avais au collège, et en grande partie grâce aux profs de maths que j'avais en terminale. Bonjour Lixi. Ah, il y a de la place au premier rang si tu veux. De bombe à la suite que je me prends de toi. Techniquement, le mec qui a bouffé la bombe, c'est Alex, pas toi. Dans mon rétro, j'ai juste vu Alex. C'est inconduisable ton car, parce que tu ne sais pas le maîtriser. Hein? Il m'a envoyé dans le mur. Ah, ça donne. Et je viens de me faire snipe, on a pris une Verta 2, t'inquiète. Ah, en fait, t'as pris la même bombe que moi, toi. Je prends pas au juste. Nice, le Shroomless qui sort. Aussi en école qui vient de débarquer, qui arrive vite même. Je sais pas si c'est pareil pour vous aussi, mais j'ai l'impression d'avoir pas de son là au niveau du jeu. Merci pour le backspam, merci pour la verte pour le pas 2. Tu sais, tu pourras envoyer aussi tes items devant, ça reste une solution pour gagner des places. T'es pas forcément obligé de courir les mecs qui sont derrière toi. Bon, 2 sur 3 au niveau du Shroomless. Je sais pas que c'est leur problème avec les bad spam, mais sérieux, il y a tout ça. Allez, Shock Dodge, cette fois j'y crois. Ouais, ça backspam une bombe et une verte ou une rouge. Prends pas de risque. Bon, 2, nice. Salut Crystal. Salut Amjad. Tous mes profs de maths ont des noms chelous. Moi, j'ai eu un prof, pour reparler de ma prof de maths au lycée, qui avait un accent chelou. En fait, elle était roumaine. Et tu comprenais absolument pas ce qu'elle te racontait. D'autant plus qu'elle avait, on va dire, une personnalité tellement aimable, t'avais tellement envie d'apprendre des trucs avec elle. C'est pas étonnant que ma moyenne se situait en dessous des 5 au dernier trimestre. J'ai passé l'année à 12. Puis tu sais qu'au cours de l'année j'ai laissé tomber quand tu vois ma moyenne en maths. C'est impossible d'apprendre un truc avec cette prof. Puis bon, les points pour le bac, il fallait bien que j'ai grappillé ailleurs. Hello William S. Ouais. Les profs de sport, c'est vrai qu'en général ils sont cool. Honnêtement, j'ai pas eu à me plaindre de mes profs de sport. Peut-être la prof que j'ai eue en quatrième, qui était, enfin, stricte, mais c'était nécessaire pour des gosses comme nous. Stricte, mais juste.
Et donc il y a une verte, super. Voilà devant, s'il te plaît. Je la prends au lag. Putain, mais ma hitbox sur ce jeu, c'est limite x10 par rapport à un joueur normal. Ah, Wolfie! J'ai très peur des items qu'ils ont là. Putain. J'ai l'impression que c'est toujours ce DK qui me bute. Allez, il y en a bien un qui va buter. Non, c'est Wolfé. Bon, je dirai vos commentaires plus tard dans le. Bon, moi j'ai l'impression que je bute toujours ce Roy. La première fois que je tombe ici, tiens. Et le DK a une étoile. Ah, tu peux passer à travers les items quand t'as un bout. Puis bon, je continue à faire de la merde, bien sûr. Est-ce que tu vas me sortir? Ah bah il y a le triple front aussi, tant mieux. Et Wolfe, j'ai l'impression que t'es en train de s'y faire. Si vous avez un choc, là c'est le bon moment pour le mettre. Allez, quatrième à l'arnaque, ouais. Nice, nice, nice. Salut Nathalie. Ouais, mais c'est Mario Kart. Il suffit d'avoir un bon item et c'est bon, c'est plié. Salut Paul. Eh ouais. Ça doit faire bizarre de retourner au 1080p 60fps. Ah bah tu... oui, j'ai vu ton commentaire sur Discord. GG. Quatrième sur une... enfin... sur une bonne petite portion de la map. Ok, bon, j'ai l'impression que limite vous attendez plus Splatoon que Mario Kart. Et je vais peut-être avoir besoin de toi demain. Je sais pas si t'as prévu de faire du salmon, mais j'aimerais bien retourner à 400 points. Wolfe qui va refaire défiler les mi apparemment. On a Waluigi. Non, Mario Kart 8, c'est de la merde. Faut jouer à Mario Kart Wii. Ou Mario Kart Super Circuit. Ou Mario Kart Double Dash. Ou Mario Kart DS, peu importe. N'importe quel Mario Kart, mais pas celui-là. Je testerais bien Mario Kart Super Circuit. Non, pas Super Circuit. Enfin, Super Mario Kart, un de ces quatre. Apparemment, t'as... Bravo, mec. Essayez de vous en protéger tous les deux. Et merde. Tu l'as fait exprès de la trajectoire de ma verre. Admets-le. Allez, on vient par ici. Alex, je te conseille de doubler Wolfe. Ou de te planter dans le mur, c'est bien aussi. Bleu. Ah, j'ai l'impression que la bleue a target Wolfe. Ah putain. C'est dommage, tout le monde va quitter.
Puis bon, ça change à rien, je me fais bouffer à la sortie du cœur. Lui, il lag pas par contre. Je lui mets l'item dans la gueule, il prend direct. En vrai, tu me diras pour une fois que je joue avec un joueur qui est sur le même continent que moi. Ah putain, en vrai, il dégage. Joli snipe, je sais pas qui lui a mis ça dans la gueule. Allez, allez, allez. Ouais, cinquième, je prends. Ouais, t'es au courant que les smartphones, ça existe en fait? Ou même, l'application YouTube sur Switch. Tu m'étonnes, ce jeu donne tellement envie. Dès que t'es premier, t'as masse pièce pendant que le 2 te sort masse rouge. C'est le pire sur Mario Kart 8. Ah, ça couait là. Demandez quand est-ce que t'allais débarquer, toi. Étonnamment, tu joues surtout avec des streameuses, mais pas des streamers. C'était étrange, Stéphane, hein. Quelle map? Château de Bowser, ouais. T'as remarqué. Et ouais. À croire que je suis la seule exception parmi tes choix de streamer, hein? Essaye de rejoindre. Ouais, on est déjà 12. Faudrait que quelqu'un dégage. Donc après, s'il arrive un truc horrible à un joueur. Ou une déconnexion, ce qui est beaucoup plus probable. Mario Kart 8, désolé. Par contre, moi, quand j'essaye de rouger le 1, quand il a une pièce, je me fais un stand karma. Hein. T'inquiète. Ouh la vache, elle était bien placée celle-là. Ouais, et le lag d'Alex, par contre, il commence à bien me plaire. Bon, on va essayer de remonter tout ça. C'est pas très bon, là, ce que je fais. Ah, bleu! Qui va la prendre? Il aurait bien que c'est l'eau, en fait, il est repéré qu'il arrête pas de backspin de bout à mort. C'est Gibridge, enfin l'allemand là. Attends, je vais lui apprendre qu'un item ça se lance devant. Toi, si tu veux pas trop souffrir, laisse-moi passer. Et ça, il va me faire payer en sortie de virage, j'ai intérêt à prendre bien large. Putain, mais les mecs, backspam l'en rouge. Salut, banane. Ouais, bon, le premier, il est loin, là. Mais bon, on va éviter de backspam. On va rester respectable. Ouais, tu m'as trompé en fait. Je demande le divorce, Ted. Deuxième place. On va dire que je la mérite à moitié.
De toute façon, le doute a l'intention de me foutre sa verme dans la gueule en la backspamant. Ça, je peux te garantir que s'il avait pas bouffé une rouge, il me l'aurait mise dans la gueule. Non mais Royal, on va dire, c'est mon petit ami. On n'était pas vraiment mariés. Par contre, toi, je sais pas si tu te rappelles, mais il y a 3-4 mois, on a signé un contrat de mariage tous les deux. Enfin, dans une mairie. Ouais. Au moins, dans ce jeu, quand tu attends pour rejoindre, tu peux regarder la course. C'est pas comme sur Splatoon, où tu restes sur un écran avec un chrono et où tu dois attendre. Allez. Par contre, 150 miroirs. Ouais. Bon, après, je crois que c'était sur un post-it, donc une chance pour le retrouver. Qui va prendre la verre? C'est Alex. Faut que je prenne... Pas ici, apparemment. Ah, putain! Mon cerveau, il veut vraiment pas mon miroir. C'est pas faute d'essayer. Ah oui, il faut aller de l'autre... Enfin, de l'autre côté. Sinon, tu pars super large. On va envoyer l'étoile toutes les deux, on sait jamais. Mais par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a pas eu d'éclairs depuis au moins 3 courses. Je sais pas ce qu'ils foutent avec leurs éclairs, mais ils n'ont pas l'air de vouloir les utiliser. Ils ont quoi comme item? Hey, ils sont agressifs avec leur backspam, hein. Ok, le Wario vient de disparaître apparemment. Et Wolfen, super. On va essayer de dépasser Wolfeoren. S'il te plaît, ne m'envoie pas une rouge, toi. T'es passé où, Wolfe? Oh, quel dommage pour ce mec. Waouh! Je prends ta place. Voilà, au calme. C'est pas la meilleure des façons de gagner, mais c'est une façon pas mal. Et c'est pas comme si je faisais ça à chaque course. Ouais, il faut dire que je me montre, on va dire, très pacifique envers Sako. Mais je crois que je l'ai peut-être bonne. De qualité. Alors ça dépend, pour moi c'est le karma qui a frappé le premier. C'est depuis le début de la session, le mec on voit tous les items qu'il a derrière lui. Donc pour moi c'est parfaitement mérité qu'il se bouffe une bleue. Allez. Quelle map s'il vous plaît. Days. Ah, ça y est, enfin, Nathalie. Ouais, j'ai écrit Anthony. D'ailleurs, c'est Anthony ou Nathalie? Il est parti. Non, il est toujours là. C'est la Arnois avec l'intrépide. J'emmerde ce jeu. Je l'emmerde comme pas permis. Regardez ce qui arrive sur moi.
bah non, elle a disparu. Là, t'inquiète, le double item, je vais le prendre. Hein. Oh, et on a Bobby pour nous protéger. Regardez. Ça part bien, la mine de rien. Et l'armo a l'air de souffrir. Parfait. Comment j'ai là? Non, pas de titane s'il vous plaît. La bleue! Avec un petit supplément Inkling. Ok, le maître sent complètement de ma bombe. Je crois qu'il en a une part. J'ai vu un truc qui avait l'air de brûler, donc c'est une fleur de feu. Bobby. Bon, de toute façon, j'ai l'impression que je vais perdre sur le 4. Allez, bonne sortie de cut. Je sais pas si quelqu'un va la prendre. Non! Royal, non, je pense pas que ce soit lui. Il me semble pas qu'il joue Armo sur MK8 en plus. Il est où le 200? C'était il y a 2-3 circuits, si jamais tu n'avais pas remarqué. Circuit Yoshi. Celui-là, je sais déjà que je serais pas premier. 12e, ouais. Et Wolfe, tu t'es fait déconnecter ou pas? Appelle-moi Anthony si tu veux. Ok, Anthony. Parce que d'un côté, tu t'appelles Anthony, mais de l'autre, tu t'appelles Nathalie. Et c'est compliqué pour moi de garder trace du bord. Sachant que j'ai du mal avec les noms. Alors, voyons voir. Coupa police, nice. Wolfe qui fait défiler les mini en un. D'ailleurs, pour ceux qui nous... Enfin... Pour ceux qui ont le temps de regarder le stream, en gros, c'est affiché que je stream sur quel jeu, là. Je sais plus si j'ai mis Mario Kart 8 ou Splatoon 2. Pièce, premier item. Ah oui, j'adore. Arrêtez de me filer des pièces, bordel. Bon, de toute façon, c'était ou pour lui ou Wolfe. Oh non, la bleue! Claque-t-on? Non, refuse. J'entends des étoiles là. Je suis un abruti. Ah. Ouais, je vais être gentil, je vais foutre un backspam au premier tour, je vais pas lui mettre mon klaxon par-dessus. Par contre, toi, oui, tu vas prendre. Je sais pas si Link veut me buter. Non, il a pas l'air de vouloir me buter. Ah, bordel! Et avec son rouge. Par contre, c'est un truc qui m'énerve beaucoup sur la version Switch de Mario Kart 8.
c'est le nombre de items, enfin d'items que tu te prends à deux sur un coup de live. Moi j'ai l'impression que ça n'arrivait jamais sur la version Wii U. Par contre la version Switch, c'est infernal. Ah, premier choc depuis le début du stream. Non Alex, tu ne me dépasses pas. Pas dans la description. Merde. En plus, c'est tellement galère de changer le jeu sur lequel tu joues, enfin, sur la nouvelle version du tableau de bord YouTube, c'est... J'ai aucune envie de le faire. Même le faire en début de stream, c'est une corvée, ça. Ouh, temple tombe. Bien. Ouais, mais t'as pas fini là, enfin, un dernier. Bon, de toute façon, ça sera plus du bait-click dans, on va dire, une vingtaine de minutes. Merci au seul autre type qui a voté cette map. Je sais pas qui t'es, toi. Ah bah, c'est l'Allemand qui backspam tout. Bordel. Ah. Pas trop ce que t'as de toi. On va faire me tenir loin. La spi a été fatale. J'arrive même plus à faire le slide correctement. Ouh la vache. Et j'ai l'impression que sur la version Switch aussi, les items ils partent beaucoup plus vite. C'est les vertes et tout le bordel. J'ai l'impression qu'elles vont vachement plus vite. Ah j'ai plus là. Bon tiens, faut que je passe mes nerfs sur quelqu'un. Puis bon, je me fais un instant de karma. Ah j'ai plus de single item. J'en étais sûr qu'il allait backspam, regardez-moi cet enfoiré. Voilà bouffe. La prochaine fois, tu te tiendras tranquille quand t'as un mec avec une étoile qui t'approche. Moi, j'ai surtout intérêt de la fermer avant de dire des trucs pareils. Je sais pas trop ce que Joko va faire, ça veut dire qu'il a le boomerang dans son deuxième item slot. Et je prends au lag, magnifique. Oh putain! Bon ok. J'ai à peine vu ce foutu boomerang. Ah bah écoute. Pour moi, c'est... Tu m'en mets une, je t'en mets une. Il a essayé de me mettre des boules de feu dans la gueule, je lui ai foutu mon étoile dans la gueule. Go full target armo. Non, ça par contre, je suis con. Tu tues la personne que tu as à proximité de toi. Ah, super, la capture card qui vient de rendre l'âme. Magnifique.
Laissez-moi arranger tout ça avant que la course commence, bien sûr. Voilà. Je commence à me demander si c'est pas un bug logiciel. Parce que le simple fait d'activer et désactiver la capture card, ça résout le problème, tout de suite. Donc, ouais. Donc, premier plantage. Salut, petit. Ça pousse en plus. Le pire, c'est que la roue, je ne m'étais même pas dessiné. C'était pas vraiment lui ma cible initiale, on va dire. T'as une banane en plus. Salaud! Bah, tu sais pas, tu vas bouffer le klaxon avec. Oh, dis-moi qu'elle te target! J'ai envie d'être au premier avec un klaxon et un triple. Nice! Ah bah là c'est bon, c'est pas d'éclair, c'est bon, c'est plus. Je sais pas trop ce qu'il va me mettre dans la gueule et il a l'air d'avoir peur de moi. Tant mieux. Sauf que j'ai fait de la merde. Le pire, c'est que le Link en a des schwoums. Enfin, il en a un. Bon, c'est le Mario qui va faire deux, on dirait. Ou peut-être pas. Il apprend personne. Bon, Wolfe s'en sort pas trop mal, sachant qu'il s'est fait target par la bleue. Ça va encore. Ouais. Bah après, si jamais tu peux savoir quelle capture card, enfin quelle marque de capture card elle a, ça peut m'intéresser. Ça se trouve, c'est peut-être un problème généralisé pour les avers médias. Bon allez, on va en faire encore une ou deux, puis on va se barrer sur Splatoon. Ah, Shiroki de l'arc, peut-être. Regardez. Ouais, je viens de voir qu'on vient de passer à 11. Est-ce que c'est Shiro qui vient de se connecter? Par contre, je veux bien cette map, mais en 150. Et en 150 normal, pas du miroir. Yes. Ça, c'est bon.
Ah, j'ai l'impression que la Armo s'est faite détruire. Je sais pas vous, mais ça a pas dû bien se passer pour elle. Le choc qui me target, allez vous faire. Oh, et le bleu qui va derrière, bien sûr. J'ai comme une impression de déjà vu, mais pour un autre joueur. Ah, où elle fait? C'est quoi qui m'a loupé une merde là? Ok, où elle fait un shroom devant sa grosse. Voilà, jouer ça. Donc je fais de la merde, voilà. Mais reviens ici, toi. Non, j'en avais besoin, ça par contre. Arrêtez de me piquer mes shrooms, vous êtes chiants, en France. Il y a un coup. Et la bleue d'ailleurs. Il a voulu prendre mon shroom, il s'est pris l'éclair derrière. Bravo. J'ai pas intérêt à ce qu'il me sorte une rouge. Voilà. Séquence Splatoon dans une dizaine de minutes. J'ai dit que c'était 22h. Descendre givré vu qu'on part d'eux. Ah, Shiro! Oh, c'est... Non, j'allais dire, c'est pas Wolfie? Tant que vous réglez pas vos comptes à coup de triple rouge, moi je m'en fous. Auquel cas, je vais devoir intervenir. Enfin, la première map sur Splatoon, je la ferai en spectateur. Je dois relancer la machine à café. J'ai l'impression qu'il est peut-être sur un compte secondaire. Bon, et le mec a été... Ah, j'allais dire qu'il a été béni instantanément par Mario Kart 8. J'ai l'impression que ça me tourne. Ouais. Allez, 4 aiguilles. 1 sur 3. Je vais pas le faire autour d'eux parce que je sais qu'il est chiant à sortir. Je suis censé me défendre contre des rouges avec ce genre de truc. Et je sens qu'il en est une deuxième, étonnamment. Ah bah non, il y a une bleue. Quelle action absolument pas volontaire. Oh non. Une action totalement incontrôlée de ma part. Oh my god. Donc partez, j'en ai buté un. Ne me sors pas une verte.
Regarde, on est aussi. Sur Pico. C'est jamais. Ouais, je vais pas sortir le catégorie, on est premier, c'est risqué. Ah oui, bien sûr. Ah oui. Je suis désolé, Wolfé. Là, c'est vraiment pas de mon fait. T'as même pas pris la bombe. Bonsoir, Jean-Pierre. Allez, ma dernière, et on va sur Splatoon. J'ai eu un petit accident au tour 2. Je sais pas ce qui m'a pris, le poteau m'a beaucoup attiré tout d'un. Non, c'est juste que moi j'ai l'opportunité de buter l'arme. Faut pas faire ça. J'en ai marre. Faut prendre un Waluigi. J'arrête pas de te le dire depuis tout à l'heure. Enfin, j'arrête pas de le dire, je l'ai dit une fois sur le stream. Mais bon, tu piges le principe. Ah, j'arrive pas à sortir le MP violet si je pense ça va. Ça veut dire que Wolfé s'est fait rouger instantanément, on dirait. Oh, Karma, il a voulu me snipe. C'est un beau. Je crois qu'il est tombé ou il lag. Un choc. Oui, j'ai l'impression que t'as sur mon mien. Oh, déjà, on va le faire clairement. Allez. Première place, attention aux bananes. Oui, j'ai l'impression que... Ah bah tiens, la Armo a eu une étoile en 3, on dirait. Est-ce que je suis prof d'anglais? Non. Je suis pas professeur du tout, non. Puis bon, j'aurais pas la patience d'enseigner des trucs à des gosses. Je suis le genre de prof qui finirait par balancer l'intégralité de sa boîte de clé dès le premier tour. Sur Splatoon. Ça y est, le titre n'est plus mensonger. Thank you.
Et bon, allez, un petit first pour finir Mario Kart. Sur une bonne note. Allez. C'est pas les meilleures performances que j'ai fait sur ce jeu, mais je reste globalement satisfait. Il doit rater, ok. Enfin, Anthony ou Nathalie, peu importe. Et bon, vu qu'on a déjà pas mal de monde, je pense que je peux aller en partie privée tout de suite. Je vais regarder vite fait ce que c'est la rotation, Salmon. Mario 3D All-Star, je l'ai commandé, je ferai peut-être un stream dessus. Donc, surtout du Mario Kart. Mario Kart. Du Mario 64 et peut-être du Mario Sunshine. Ou même un peu des 3. Sachant que Mario Galaxy, je l'ai fait à 100% sur le stream. Je pense pas que ça vous intéresse de voir ça à nouveau. Ouais, c'est pas mauvais comme rotation. C'est quoi ce bruit? Attends, c'est Charlie Piron? Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir entendu un bruit. La map, c'est la pire. J'ai pas fait attention à laquelle c'était. C'est Barak? Ouais, Barak. Et un truc que je vous ferais bien un de ces quatre, c'est peut-être Mario et Luigi. Je sais pas quel Mario et Luigi je ferais, mais... Je sais pas, j'hésite entre Superstar Saga et les Frères du Temps. Je sais pas si Lucas est encore là, mais je pense que ces deux jeux-là, ça va lui parler. Pas qu'un peu. Vous êtes des chauds bouillons, donc allez. Guerre des festivals, je me mets dans les gradins. Je reviens dans quelques minutes. Allez, à toutes. Thank you.
Désolé, j'avais oublié de mettre la caméra en automatique en plus. Et comme ça, vous allez voir Clapion au premier plan. Ouais, Anthony, je crois que j'ai accepté ta demande en plus. Mais je suis pas sûr de refaire un stream de sitôt. Bon allez. C'est qui Harlequin déjà? C'est quand ton prochain live? Alors normalement le prochain live c'est demain sur Smash. Par contre Minecraft, j'en ai aucune idée. Ça dépend si ça vous intéresse beaucoup ou non. Parce que moi, ce jeu, j'ai du mal à y jouer si j'ai pas des mods. Tu fais un live demain? Oui. Uno, non, je l'ai pas. Bon, allez. Harlequin dans les gradins, Dexter contre Wolfé. Ensuite, on fera Wolfé et moi contre Dexter, et ainsi de suite. Oh bah tiens. Un petit double extra sort, peut-être? Ouais, je pense que j'ai pas mal d'heures de jeu dessus. Mais t'étais surtout sur l'édition Jivaba. Et t'as pas les statistiques sur celle-là. Mais ouais, j'ai passé pas mal de temps aussi dessus. Enfin ouais, après, ça pourrait être une idée. Ça pourrait être une idée. Je sais même pas si ça vous a plu le dernier stream sur Minecraft. On n'a pas fait grand chose en plus, j'ai l'impression. Capture card! Elle a encore lâché! Bon, c'est à mon tour de jouer. Voilà, c'est bon, ça part. Bien joué, Saku. Aïe. C'est la première fois que je vois Arthur en gradin. Bah, je sais pas, j'ai l'impression qu'en général, je le vois jamais dans les sessions. C'est peut-être pour ça qu'il n'est jamais allé dans les gradins. Ah bordel! T'as mis sur L et R. Normalement, t'as une caméra orange qui va s'afficher en haut à gauche.
Bon, bienvenue, Dexter. Ouais, je sais pas, c'est... Eggman, c'est... Pour construire des machines, il est... enfin, pour construire des robots, il est pas très doué. Oh, mais là, je suis carrément pas dans la, enfin, dans la direction du tir, je vais pousser. Ah, bordel! Si on le connaît, il galère à choper un hérisson. Hérisson, si tu fais la liaison. Il n'y a pas grand monde, on dirait. Et j'ai surtout pas le chat. Hein, c'est pas marrant. Bon, et Michel, je joue perdu. Ah voilà mes savates, c'est ça que je voulais. Voilà, on va faire autrement. Peut-être ce truc là. Allez! Moi, si je recevais un centime dès que je reçois une pièce sur Mario Kart, je garantis que je serais déjà millionnaire. Sans déconner. Ouais, demain par contre, je pense que ça fera Smash et Splat. Putain, je pensais pouvoir faire une arnaque. Et bon, j'ai l'impression que Saku a du mal.
Ah, bordel! On va essayer d'avancer, mais fais gaffe à toi. Nice, nice. Bien joué. Bordel! Fais gaffe ici, 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 ici! Non! Ça, t'es pas bon du tout par contre! Ils vont avoir un boulevard jusque chez nous! Bordel! On a perdu. Oh, bordel! Non, ça coûte, s'il te plaît, oui. Ça coûte, attends-moi. Il va pas tout seul, ça peut. Non, on a perdu, je vois pas comment on peut vraiment remonter là, avec le temps qui nous reste. Ouais, c'est vrai, on a perdu. Ah, bordel! Ouais, mais il faudrait que tout le monde écoute. Il y avait quelques personnes hier qui n'écoutaient pas et c'était chiant. Je vois ça. Bon, ça vient de qui la demande? Ouais. Bon, ça dépend. Vous voulez faire une session, on utilise que les armes secondaires ou je sais pas trop quoi. Bon, Dexter, tu viens. Wolfe, tu viens avec moi. Et ensuite, ça sera Wolfe et Dexter. Et on va rester comme ça. Par contre, double snipe, j'ai l'impression qu'on va tout droit vers un désastre. Pas gradin, je participerai pas au match. Bah, si tu participes pas au match, pourquoi je te mettrais pas dans les gradins?
dans le match, mais j'en peux pas. Ok. Ah ouais, quel dommage d'avoir cours demain. Il lui arrivait quoi, Arlequin? Merci, Wolfe. Ça sent la Pima, ouais, Pima. Ah bordel! Wolfe, essaye de repeindre! C'est pas la zone, s'il te plaît. Nice! Joli tir! Allez, j'arrive, je te file un coup de main. Bien joué. Peut-être parce que je suis méchant et que je suis sévère, tiens. Ou alors peut-être que je suis adulte. Peut-être ça aussi. Ou que j'ai la voix pour le métier. Mais crois-moi, j'aurais rien à faire dans le domaine de l'éducation, sachant que je suis pas foutu de vous expliquer un truc correctement. Eh ouais. Tu verras quand tu seras grand et que tu auras tes week-ends. Enfin, normalement. Tu verras le pied que tu... Ah là là. De toute façon, Wolfe ne va pas jouer normalement. Bah, j'aurais dû quand même mettre quelqu'un dans les gradins. Ouais, c'est ça. Tu me diras, en temps normal, une team full sniper, c'est pas une bonne idée du tout. C'est qui Adrien 3? Peut-être le type que je viens d'ajouter. Alors gros peut-être, mignon, je pense pas. Alors bébé, pas du tout. T'as déjà vu des bébés avec de la barbe? Ou une moustache? Ou une grosse voix comme la mienne? Ouais, besoin de dormir, t'as surtout besoin d'aller en cours demain. Ouais bon, on va dire film, mais non pas film d'animation, enfin, ou film mix animation. Non, mais je crois que le film de Robotnik, enfin Junior, il en a une. J'ai essayé de te trouver une image. Mais je crois que dans le vieux cartoon Sonic, Robotnik a un fils. Il s'appelle Junior. Ah non, il a un mohawk par contre. Mais on va dire qu'il ressemble déjà bien à un œuf. Ah d'ailleurs, le premier résultat que
Par contre là tu me snipes à travers l'ombre, allez. Y'a toujours pas de déco, attends un peu pour voir. Hold my connection. Là, par contre, je suis pas dans la trajectoire de tir. Il y en a un qui se fait de bague avec nous, non plus pour lui. Le plan est exact. Non, ça marche pas comme ça. Par contre, là, ça fait le troisième tir que je bouffe à travers l'ombrelle. Ok, Adrien 3, je pense que je vais devoir supprimer si on ne joue pas. C'est super de jouer en 1v4. Enfin, 1v3. Je sais pas si on gagne avec le push à la fin. Non, je crois qu'on a quand même perdu. Bon, enfin bref. Sachant qu'ils ont nerfé les dégâts de ce druc. Image. Faut quand même que je vous montre le fils de Robotnik. Donc pas encore de moustache, par contre il a un mohawk. Peut-être que c'était comme ça que Eggman était dans son adolescence. Peut-être que c'était un rebelle. Et enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais il ressemble déjà à un œuf. Ah, si tu gerbes, crois-moi, tout est à gerber dans ce truc. J'ai essayé de retrouver le gif, ou le gif, d'Eggman qui joue de l'or. Il est magnifique, ce truc. D'ailleurs, je crois que c'est gif, la bonne prononciation. Oh la vache! Je viens de repérer un truc là dans le coin de mon œil. Je crois qu'on a trouvé la mère d'Eggman. Enfin, la mère de Robot. J'ai très peur de regarder l'arbre généalogique d'Eggman.
Peu importe ce que c'est que son nom. Oh, j'aimerais bien avoir l'image. Attendez. Faut que j'arrive à vous mettre cette image. Elle est magnifique. Je savais même pas que ça existait, ce truc. Attends, est-ce qu'elle est à la bonne taille? Non, c'est une miniature. Bon, bref. Oh, et puis... Ah, faut que je joue. Bon, tant pis, la mère de Robotnik restera à l'écran pendant un petit moment. Allez, les aventures, mec! Sauf que je sais pas si je vais partir à l'aventure très longtemps. Oh, mise on dirait. Ah! C'est bon, je suis encore en vie. Attends, si. Ça, c'est la mère de Robotnik. À quoi ressemble Ulter en fait? Et je prends un tir télépathique de la part de Wolf, c'est bien. Et je suis mort. Ouais, ça me paraît pas être le meilleur des plans de sauter sur cette roue là. Venge-moi, je sais pas qui d'autre était au mid, mais venge-moi s'il vous plaît. Merci. Et j'ai l'impression que ça arrive derrière. Nice, Adrien. Et je me fais un stakill par Daxter, rien de bien neuf, ça me sommeille. Attention au mid. Attends, maintenant, on a la mère de Robotnik. Mais où est le... Oh, j'ai une réunion de famille avec Sonic et Tails, ton... Attendez. Bon, ça va encore être une miniature, mais... Attendez, on a une petite réunion de famille. Très poignante. Après tu me diras, vu la qualité du bordel, t'as pas besoin d'avoir du 8K non plus sur les images. Mais ouais. On a Robotnik, qui sait pas verser du thé, Tails qui a l'air d'être terrifié, Sonic qui a l'air d'être étrangement intéressé, Mama Robotnik, c'est pas trop ce qu'elle a enfin.
peut-être le mettre en haut à droite. Comme ça, il pointe les joueurs à l'écran. Allô, je suis de retour. Robotnik en maillot de bain. Alors, attends un peu que je retrouve l'image. Paul sait très bien de quelle image je parle en plus. Si c'est pas la mère de Robotnik, on va la garder pour le moment. Voilà, j'ai retrouvé l'image. Celle-là, elle est bien aussi. Attends, celle-là, ça donne quoi? Non. Ah, voilà, celle-là. Bon, je vous la mettrai pour la prochaine map. Honnêtement, j'avais aucune... Enfin, je ne savais pas du tout que dans ce foutu cartoon, ils avaient fait la merde de Robotnik. Ouais, tu me diras, Robotnik, il n'est pas apparu comme par magie, un de ces cas. Enfin, un beau matin, il s'est pas dit, tiens, je vais apparaître et exister. C'est... Quelqu'un a dû donner naissance à ce truc. M'a pas vu. Si, je crois qu'il m'a vu en plus. Ah. Ah, putain. Ah, elle est horrible celle-là. Je viens de regarder mon PC, là, je viens de voir un truc abominable. Ah, c'est atroce. Faut que je vous montre. C'est limite, je sens que je vais arrêter de jouer le temps de vous montrer ce truc-là. Franchement, c'est horrible. Bon, reviens ici, toi. C'est pas raisonnable. Bon, dès que je me fais buter, vous aurez le droit à un truc... qui va vous assurer de beaux rêves, cette nuit. Ou un rêve unique. Ah non, c'était pour la prime. Et pour petit marteau. Bon, si quelqu'un veut bien me buter là. Bon bref, l'image maudite. Faites de beaux rêves, c'est un cadeau de ma part. C'est peut-être dur à accepter, mais c'est à ça que la perfection masculine ressemble. Tiens, on a une fausse salle.
Hello Goggles. Dans les gradins, Harlequin aussi. Et Dexter versus Wolfet. Non, je les ai mis ensemble. Non, t'as raison de pas l'aimer. En plus, c'est même pas Mike Pollock qui faisait les voix anglaises. En pellicule, il y a pire, je crois. Hein? Ah oui, celle-là, je la connais. Je pense que le gif que j'avais mis est pire. Attends. Bon, de retour au sujet du père d'Eggman. C'est quoi ce truc? Un papa Robotnik. Qu'il existe. Non, mais j'ai trouvé un truc assez bizarre aussi. Je sais pas si ça rentre dans la catégorie image mobile aussi. Attendez. Enfin, j'ai vu mieux, j'ai vu pire. T'as pas idée des trucs que j'ai été témoin sur internet, moi. Alors, attendez, c'est moins maudit que Eggman en train de jouer de l'orgue, mais ça reste quand même pas mal. Que en mode Schtroumpf. Non, je connais pas cet Eggman, mais je connais bien celui-là. Bon, par contre, j'aime quoi comme... C'est un truc qui est pas mal. Il est assez étrange. Les fans de Sony, vous allez me dire que ce truc existe pas. Oh, la vache. Je crois que j'ai trouvé une photo de bébé Eggman. Enfin, on a eu bébé Mario, bébé Luigi, bébé Pig, bébé Goku, bébé Harmony. Bah là, je vais vous montrer bébé Eggman. C'est pas beau à voir. Attendez. Ah oui, il y a Maman Robotnik qui est toujours en haut à gauche. Donc voilà à quoi il ressemblait lorsqu'il est né. Et apparemment, il est né dans un œuf. Il écouterait son nom. Et sa forme. Gérald Robotnik, il fait partie de sa famille. Je vais aller voir ça. D'accord. C'est un gentil ou un méchant, lui? Ah, mais je crois que j'ai déjà vu ce type. Il était pas dans Shadow the Hedgehog? Enfin, Dr. Gerald, ça me dit un truc. Bref, image maudite. Oui, on avait bébé Eggman. Et vous allez me dire si ça existe vraiment. Je m'en remets à votre jugement, les fans de Tony. Je suis pas un expert. Alors, vous allez me dire si ce truc existe vraiment ou pas. Donc genre ça, est-ce que ce truc existe? Aidez-moi avec ça. Franchement, j'ai du mal à savoir.
c'est ça. Ou avec les émeraudes du chaos, je crois qu'il y a une connerie dans le genre. Attends, Robotnik Close, c'est quoi ce truc? Ah, oh, c'est pas mal aussi ça. Attends. Faut que je vous le montre aussi. Parce que, apparemment, chez les Robotnik, il y a le Père Noël. Je sais pas, ce genre de truc m'obsède un peu trop. Là, je vais devoir faire des parties en mode gradin. Parce que là, il y a beaucoup trop de trucs. Je crois que j'ai trouvé une mine d'or pour des images maudites. J'en ai littéralement pour deux streams. Bon, et vous deux, vous allez jouer l'un contre l'autre. Voilà comment on fête Noël chez les Robotnik. Qui est ce fake qui est sale? Aucune idée. J'en ai ici un autre. Parce que, vu la tête qui tire, tu m'étonnes que les gosses, en général, ils ont peur du Père Noël la première fois qu'ils le voient. Attends, Robotnik Close. Franchement, qui n'aurait pas envie de prendre une photo avec ce mec? Regardez. Et il ressemble vraiment à un œuf sur cette image. Il a la forme parfaite. C'est un œuf avec une tête et des bras. Robotnik Senior, je crois que je l'ai trouvé. Oh. Ah, j'ai une image en meilleure qualité pour Maman Robotnik. Attendez. Je vais vous la mettre à l'écran. Celle-là, elle dégage. Voilà, non, ça c'est. Meilleure définition que auparavant. Enfin, je vais continuer à regarder. Ah, Papa Robotnik. Robotnik Kid. Non plus. Dr. Eggman. Ouais, je suis déjà allé dessus. Fake Robotnik. Ah, Eggman Mega. Je crois que j'ai... Ouais, mais c'est pas maudit non. Par contre, je crois que j'ai trouvé un truc maudit. En rapport avec ce fameux Eggman Mega. Je t'en supplie, enlève. Non, tu l'auras jusqu'à la fin du stream. C'est pas Eggman Mega ou je me suis trompé? Tant que je me suis trompé d'image. Alors attends, il y a quoi d'autre hein? Bon, allez, on va faire la solution de facilité. Sonic Cursed Image. D'autres que j'ai envie de voir. Ouais, on a le totem de Christian. Enfin de... Je suis incapable de le faire.
Ça, c'est un truc qui mérite le détour. Oh, celui-là, il est pas mal. Il est mignon. À la limite, c'est une image bénie. Enfin, bénie. Regardez. Ça, Paul, tu valides ou pas? Storm est de retour. Bon, allez, je continue. Je dois quand même vous donner de beaux rêves cette nuit. Et Timoaz. C'est addictif, ce genre de conneries, en plus. Ah, ah oui, c'est vrai que c'était peut-être ça. Alors ça, c'est bien mode. Et si Nintendo et Sega étaient une et une seule compagnie? Voilà à quoi ressembleraient nos jeux cultes de nos jours. Ils ressembleraient à ça. C'est Marionic. Je vais en chercher une autre. J'ai un petit crossover entre Shrek et Sony. Tiens, celui-là, on va le mettre ici. Pas de mélange Eggman Bowser. Tiens, je vais vérifier si ça existe. Non, mais l'une des premières images que j'ai vues, c'est Eggman qui fait un doigt d'honneur. Et je commence à avoir des images qui sont assez dangereuses. Donc on va peut-être arrêter là. Oh non. Celle-là par contre, fait peur. On va dire que Eggman a changé de stratégie pour conquérir le monde, ou je sais pas trop quoi. Celle-là aussi, elle est maudite. C'est moins dangereux que les images que j'avais trouvées avant. Bon, mais j'ai arrêté, je pense qu'il y en a qui vont faire des cauchemars. Je vais encore vous en mettre une petite dizaine. J'arrive pas à trouver de fusion entre les deux, c'est étrange. Non, j'arrive pas à trouver ce qu'il me faut. Ah, c'est
J'en ai trouvé une. J'en ai trouvé une. Simple, c'est cadeau. Tu me diras, le concept a quand même un minimum de gueule. Tu pourrais limite faire un film avec un bruit pareil. Disons, je vais virer ça, ça vous cache toute la... Attends, il y a quoi d'autre? Putain, j'ai Eggman, mais avec des... Oh. Ouais, non, elle est pas super maudite, celle-là. Il faut que je trouve une très grosse qualité. Celle-là, elle est pas mal, mais je sais pas si je peux la montrer. Alors, attends, avant-dernière, et la prochaine, ça sera la dernière partie. J'arrive pas à trouver de trucs intéressants. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est vraiment pas mal. On va dire que c'est Eggman sans les lunettes et s'il se rasait la moustache. Ah bah oui, c'est... je viens de tomber là-dessus. Je viens de voir ton message comme quoi t'avais mis le truc sur Discord. Attends, il y a quoi d'autre? Ah, j'ai encore un Robotnik qui est gonflé à bloc. Je sais pas ce que c'est comme d'ailleurs. Ça, je pense que ça va être le Dr. Eggman une fois que j'en aurai fini avec le stream. Bon, pas vraiment maudite, mais je pense que c'est après avoir passé la moitié du stream à me foutre de sa gueule. Tu me diras, ça peut marcher. Il a, je crois, 60% de chance de supprimer Sonic de l'existence. Genre, un petit claquement de doigts et il est plus là. Enfin, j'ai pas regardé le film en question, mais il me semble que c'est un truc du genre 60% des personnes qui... J'ai un cosplay d'Eggman qui est pas mal. C'est, je sais pas, t'as des trucs qui sont, on va dire, tellement mauvais, mais ça en devient bon. Et j'ai l'impression qu'il a utilisé un deux balais pour faire sa moustache. Merde. Il le chat un peu. Oui, synonyme, cosplay d'Eggman, il m'a semblé, ouais. Bon, on a perdu.
Je sais pas. Celui-là, j'ai l'impression qu'il ressemble à mon prof de... techno au lycée. Et on va dire qu'il avait une moustache assez particulière. Bon, par contre, celui-là, j'ai plus l'impression qu'il ressemble ou au Père Noël ou à un clown. Ouais, je suis dans mes images d'Eggman. C'est ce que je disais, c'est addictif. Ouais, mais j'ai l'impression que Eggman et image maudite, ça rend pas super bien. Enfin, les premiers résultats sont intéressants, mais c'est pas vraiment ce que je cherche. Capture card. Attendez, je vous remets ça. La capture card qui commence à en avoir sa claque aussi. Paul et la capture card. Bon, vous n'y échapperez pas. Eggman, président. Il a déjà été président, ce mec? Ouais, mais on va dire que c'est une image normale d'Eggman, quoi. Après, ça sera peut-être la prochaine présidentielle aux États-Unis. Ouais, ils vont forcer ma capture card à se suicider. Regardez bien. Hop, éternelle amitié. Comme ça, moi, je vais encore vous mettre des images atroces à l'écran. Amusez-vous bien, moi, je reste sur le côté. Faut bien que je vous divertisse d'une façon ou d'une autre. Ouais, mais Sonic X, à part ce que j'ai compris, c'est pas mauvais comme dessin animé. Moi, ce qu'il me faut, c'est genre les vieux cartoons Sonic. Ça, c'est un gage de qualité. Celui-là, il est pas mal. Attendez. Apparemment, dans le prochain film Sonic, ils vont refaire le modèle 3D de Sonic. Et vous allez voir en exclusivité mondiale le nouveau rendu. Attention! Donc ouais, on va dire que Sonic il a un peu du mal dans le prochain film. Sans vouloir trop vous spoiler le scénario, il va se passer des trucs. Ah mais attends, je sais qu'il y en a une de Knuckles. Enfin, c'est bien comme ça qu'on prononce son truc. Attends. Non, j'arrive pas à trouver ce qu'il me faut. Bon. Alors attends. Ouais, il y a des concepts, mais je sais qu'il y en a un par. Celui-là, il est bien. C'est pas celui-là que je cherchais, mais il est pas mal. Attends. Je crois que... ils vont oser pour le prochain film. Genre, mettre une abomination comme ça. Regardez bien. Oh, un vieux mime. Celle-là, je vais la garder. Ok, par contre, là, j'ai vu un truc avec Dexter. J'ai l'impression qu'il est passé à travers la plateforme du... Faudrait que je regarde... Ah, ouais.
Ah non, c'est pas exactement celle-là que je cherche. En fait, c'est tenté d'être quoi comme... animal, Knuckles. Enfin, Sonic, c'est un hérisson, mais Knuckles, c'est quoi? Ou Knuckles. Ah, j'arrive pas à retrouver l'image. Bon, allez. Ah, peut-être que je l'ai sur mon PC, attends. Attends, attends. Knuckles. Non, aucune image correspond à votre recherche, merde. Non plus. Putain, j'ai un dossier image maudite. Ah oui, c'est le peluche Pikachu. Bon, attends. Un équidné. D'accord. Attends, attends, attends. Petit problème avec les éponges, il va les aimer un peu. Bon, tu me diras que Knuckles, il ressemble un peu trop à un porc-épic sur celle-là. Dynamique, footbag, bon, je supprimerai pour la liste CDM. Donc voilà à quoi il ressemblera dans le prochain film. Apparemment, ça sera un spin-off. GG. Je pense que je vous ai suffisamment donné de quoi faire de magnifiques cauchemars cette nuit. Donc je pense que je vais y aller. Je vais me barrer comme un voleur. Et puis demain on se revoit pour Smash. Mais demain je reprendrai de plus belle. Vous en faites. Allez, bonne nuit. Hello, Randy. Sorry, this is the end of the stream. Oh, tu sais quoi, j'aimerais bien en mettre une dernière. Attends, attends. Il doit bien y avoir un truc qui soit assez maudit. Oui, j'ai la Sonic Dreams Collection. Là, je pense pas que je pourrais faire un stream dessus. Attends, attends. Ah, je sais ce que je peux vous mettre. Attendez. Donc, voilà. L'histoire derrière ce truc est beaucoup trop longue. Donc, je vais vous épargner les détails parce que tout ce qui touche à cette image est maudit. Je vous le jure, ce truc est maudit. Et son créateur l'est aussi. Je vous déconseille vivement de chercher l'origine de ce truc. Donc voilà. Un totem Sonic en papier mâché. Welcome to this stream, Randy. And sorry for the current picture. It's addicting. Addictive. I was saying that you shouldn't search for the origin of the Sonic Totem, especially about his creator. Don't do this. You will regret it. Bon allez. Le Sonic... Enfin, le Totem Sonic vous souhaite une bonne nuit. Et moi aussi.